m'appelle Gonel David et en fait je suis sur le stand d'Helium, qui est l'éditeur en fait, de livres que vous voyez là, L'incroyable destin de Quentin Libellule. Donc j'ai signé les textes. Et c'est une nouvelle collection en fait, qu'a lancée Helium qui s'appelle Fiction Nature. Et c'est pour tenter un dosage assez inédit de fiction et de nature, c'est-à-dire qu'on prend des éléments concernant des animaux, de leur vie, leurs habitats, tout ça, et on greffe dessus un récit fictionnel pour, pour apprendre deux, trois choses, mais aussi suivre des histoires. Donc c'est vraiment essayer de faire un dosage particulier. Donc que la collection s'est ouverte avec cet ouvrage-là et un autre ouvrage de Mourhouse, qui est Le Chant de la Grande Rivière, qui est sur les Campagnols. Et il y a d'autres livres qui vont arriver bientôt, notamment sur un perroquet particulier ou des choses comme ça. Donc voilà, donc en fait moi, si je me suis fait sur les libellules, c'est parce qu'en fait je suis odonatologue amateur, c'est-à-dire que j'étudie les libellules et j'aime beaucoup les libellules. Donc je les connais bien et puis ça m'intéressait bien de leur raconter un peu tout ça, de raconter la vie d'un étang, la vie d'une libellule, le cycle et tout ça, sans être trop lourd au niveau pédagogique, sans chercher non plus à faire du savoir, mais en racontant tout simplement à hauteur de Dieu de libellule, justement, ce que peut être la vie d'une libellule.